Le titre de princesse royale est actuellement en possession de la princesse Anne, tante du prince William. Le titre de princesse royale, très rare, ne s'obtient pas automatiquement. Le titre royal échappe encore à la princesse Charlotte de Cambridge, car il est toujours détenu par sa grande tante. Le titre royal de princesse, qui est actuellement détenu par la princesse Anne, est très rare et spécial. La sœur du prince Charles est en possession du titre depuis que la reine Elisabeth II d'Angleterre le lui a accordé, soit il y a 35 ans, en juin 1987. Depuis la création de ce titre par Charles Ier pour la princesse Marie, sa fille, en 1642, la princesse Anne, aujourd'hui âgée de 71 ans, est la septième personne à l'avoir porté. Selon la tradition, le titre de princesse royale est accordé à la fille aînée du souverain. Toutefois, le transfert ne se fait pas automatiquement. Avant que la princesse Anne ne reçoive ce titre le 13 juin 1987, il est resté vacant pendant 22 ans. La personne qui possédait ce titre avant la princesse Anne était la princesse Marie, fille unique du roi George V et décédée en 1965. Princesse Charlotte de Cambridge, une condition bien précise pour le transfert du titre de princesse royale même s'il survit au monarque, le détenteur du titre le conserve à vie. Telle est la raison pour laquelle le roi George VI n'a pas pu conférer le titre à la princesse Elisabeth, sa fille aînée. La raison était que le titre était encore en possession de la princesse Marie à l'époque. Il en va de même pour la princesse Charlotte de Cambridge, 7 ans. Si la princesse Anne conserve encore le titre lorsque le prince William, duc de Cambridge, 40 ans, accédera au trône, Charlotte ne pourra donc pas détenir le titre de princesse royale.